Como. C'est les vacances, on va dire. Bon, bah on finit bien. Sénard a bien joué, on n'a pas forcément su répondre au bon moment. Et sur la saison, quand même exceptionnelle. La saison, je ne vais pas dire exceptionnelle, parce que c'est ce qu'on attendait. Enfin, moi, c'est ce que j'attendais. Après, il faut faire mieux l'année prochaine, quoi. Et on va tout faire pour ça, quoi. Great season. That's all I got. Had a great season, we overachieved. And your experience in France? Good great experience. Yeah, I needed to come out here and experience. Well, Armin, deux hits. On perd, mais tu as montré que les rookies savaient répondre à l'événement quand même. C'était d'aider l'équipe en fin de saison et d'essayer de faire le mieux. Bah, satisfait donc de ta fin de saison quand même, où t'as pas mal joué avec l'équipe? Ouais, à la fin de saison j'ai trouvé ma place sur cette équipe. Et... Y compris à la batte? À la batte et en défense. Je suis assez triste de finir comme ça quand même. Et donc pour la saison prochaine? Pour la saison prochaine, je viserais bien une place titulaire, mais après, ça dépend de tout. Hein. Bah, t'as envie. Bah, je voulais gagner, mais tu vois, c'est un peu difficile. Parce que le but de Sénat, c'est un peu difficile pour tous les joueurs américains. Et là, c'est très bien. Et nous, à la batte Bah, à la batte, c'est ça. Une fois, on va frapper. Tu vois, si je frappe un hit, je laisse Will, et Will il a frappé un fly. On a fait très calme. Après, c'est moi qui ai frappé un fly, et Will, il a frappé un double, tu vois. On a pas le chance de frapper tous ensemble. Bon. Mais quand même, de jouer une saison où... On joue la finale presque, on essaie d'aller en finale. Ça doit changer avec le PUC. Ouais, tu vois que maintenant c'est une autre équipe. Avant c'est l'équipe de mauvais. Maintenant on est l'équipe de fort. Donc tout a changé dans le dugout, sur le terrain. Ouais, tu vois. On vit dernier. Maintenant on joue, on sait qu'il va gagner. Avant on arrivait sur le terrain et tout le monde dit ah, on va jouer mais on va perdre, on perd, on perd. Mais maintenant l'équipe c'est. Donc pour la saison prochaine? Je vois qu'on est pas déjà, mais maintenant on va essayer de arriver à la finale. What? You want about the season? Yes, good season. In Paris? I have that. Paris is awesome. Good season. Not a good ending, but a good season. I'm happy with it too. So, Phil's happy with it too. I was. Phil. Nathan. Paul. Talk. It's okay. You already did? All right. A few words. Like, other season, but different season. I mean, much better in terms of our team chemistry, I think. We were much better playing throughout the season. I mean, 10-18 last year, 18-10, that's a huge difference. It was a lot of fun once again. I had a blast. And you were pitcher, outfielder, infielder. Got to play everywhere. Big hitter. Got to play everywhere, and I appreciate it very much. You know, I didn't pitch as much this year, but I had just as much fun playing the rest of the field. So it was good to come back, and we'll see about next year. Tu veux savoir sur la saison, bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi qui as connu les saisons galères également du PUC. Moi j'ai connu les deux, j'ai connu les bonnes saisons, les mauvaises saisons, et roi des bonnes saisons, j'espère qu'on est reparti pour un bon cycle là, du genre à jouer les demi-finales tous les ans, et puis que grâce à tout ce que nous a amené Jeff, Olivier, on va pouvoir continuer et progresser. T'as repris goût à la victoire? J'ai jamais perdu goût à la victoire, moi. J'ai jamais aimé perdre, mais voilà, on a un bon comportement, on voit nos jeunes qui progressent, c'est ça qui est important. Amine, Camille, l'a bien assuré quand même sur ses playoffs. Sans oublier Maximin qui a un peu pété un câble à la fin, mais sinon l'année prochaine je pense qu'il va revenir et voilà. On a des jeunes talents qui arrivent derrière aussi et je pense qu'on est reparti. Toujours plus fort.